Voilà, bien en ligne et un backswing bien en ligne. Un des problèmes les plus récurrents que j'ai pu voir dans le petit jeu des amateurs en général, ça revient, une faute qui revient souvent, c'est de monter la canne beaucoup trop intérieure, comme ceci, vous voyez. Et donc, pour ce fait, bon là, je l'ai mis un cerceau pour illustrer hein, le plan et représenter un peu l'arc que fait la tête de club quand elle descend sur la balle. Ici, je vous ai tracé quelques lignes. Quand on a la balle en plein centre, et je vous recommande de la placer pour le coup standard, hein, tout à fait au centre du stance, le centre, c'est au milieu des talons, eh bien, vous voyez que là, ici, notamment, le cerceau correspond bien à toucher le bas de l'arc, à toucher le milieu de stance et donc la balle. Quand bien même vous swingeriez, monteriez la canne beaucoup trop intérieure, comme ceci, regardez ce qui arrive. Le bas de l'arc du club va être trop devant la balle, ce qui expose évidemment à la fameuse gratte. Contrairement, si toutefois vous étiez un petit peu trop prédisposé à gauche ou trop fort du haut du corps, vous seriez dans ce cas-là à exposer, notamment peut-être de prendre du coup la balle trop directement pour le top, voire faire la fameuse soquette parce que vous couperiez la balle et vous serez trop avancé dans celle-ci. Donc, on n'a pas tous, ça c'était surtout pour illustrer, on n'a évidemment pas tous un cerceau à disposition quand on s'entraîne au petit jeu. Mais par contre, si vous n'avez pas de baguette, ça c'est des outils formidables. Parce que regardez, je vais vous montrer un exemple que vous pouvez faire avec un simple jeu de baguette. J'en place une dans la direction évidemment de là où je joue. Et puis, au niveau de la balle, je vais planter cette baguette à droite, à peu près en diagonale, dans le même plan que mon propre manche. Vous voyez, c'est à peu près, hein, voilà, c'est pas compliqué à faire. Et de ce fait, je vais m'assurer de pouvoir monter la canne dans le plan parfait. Je vais évidemment, ça va me donner le repère anti-mauvaise montée trop intérieure, car je le sentirai immédiatement si c'était le cas. Quand bien même vous n'auriez de toute façon pas des baguettes, regardez, ce qu'on peut faire aussi tout simplement, c'est prendre le ramasseur de balles ou un parapluie et le poser côté talon de la balle, comme ceci, parce qu'évidemment, comme c'est légèrement surélevé, eh bien là, pareillement, le talon du club heurterait, quand bien je monterais trop intérieur, heurterait immédiatement ce parapluie ou ce ramasseur de balles. Donc, on doit pouvoir, avec une petite marge d'erreur de 2-3 cm, pouvoir faire un chip, un pitch, sans toucher ce parapluie, comme ceci. Backswing bien en ligne, et je transfère vers la gauche comme il faut, les mains stables, voilà, le club vous en remerciera. Donc, amusez-vous à faire ces exercices-là, et je vous promets que ça va aider à baisser votre index.